Paye ton tournage, donc c'est une plateforme de recueil de témoignages anonymes. On reçoit des témoignages de tous les corps de métier du milieu du cinéma. On anonymise quand c'est nécessaire et on les publie sur Internet et sur les réseaux sociaux. C'est une mise en commun qui permet de déceler des problèmes systémiques, de faire des statistiques. Et aussi, on propose un accompagnement, des conseils juridiques et tout simplement un soutien, une écoute aux victimes qui le souhaitent. Le collectif Elles font des films existe depuis 5 ans. Au départ, il rassemblait des réalisatrices de la profession et puis il s'est ouvert aux techniciens et à toutes les professionnelles de l'audiovisuel belge francophone. La première mission, la première volonté, c'était une plus grande reconnaissance, une plus grande visibilité pour le travail des femmes. Et après, s'est ajoutée aussi les personnes minorisées, les personnes sexisées. Pour lutter contre toutes ces violences, et qui commencent par des blagues et par des choses anodines, c'est tout un spectre. On préconise des chartes dans les écoles et sur les tournages à signer au début de l'année ou du tournage, avec des références claires et des définitions et des sanctions en cas de non-application. On préconise une cellule d'écoute avec une personne extérieure au tournage ou à l'école, et on préconise des formations. Il y aura des formations destinées aux producteurs et productrices et des formations destinées à tous les professionnels du secteur. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans la pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est victime d'une violence sexiste ou sexuelle, quand on est témoin? À qui parler? Comment communiquer sur ces violences? Moi, déjà, quand j'étais à l'école, quand j'ai travaillé à la télé, sur mes premiers tournages en tant qu'assistante, réalisatrice, en tant que stagiaire, j'ai été confrontée déjà très jeune, très tôt à tout ça, et je suis évidemment loin d'être la seule. C'est énorme, hein, c'est une déferlante vraiment violente. Il n'y a rien en fait aujourd'hui qui est mis en place pour lutter contre ces violences sexistes et sexuelles, contre ces discriminations. C'est la première fois qu'on obtient des subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour concrétiser un projet. Et on aimerait bien que ce soit l'occasion aussi que le politique, que l'institutionnel, que le culturel s'empare de ce qu'on fait, de ce qu'on initie, parce que c'est vraiment des collectifs militants, bénévoles qui portent ces projets. C'est un milieu professionnel comme un autre. Il faut arrêter quoi, cette impunité en fait. Cette espèce de violence que tout le monde connaît, tout le monde reconnaît, mais qui n'est pas du tout combattu, quoi. Concrètement, les agresseurs continuent à recevoir des prix, à être dans des films. Comment vous expliquer qu'un Gérard Depardieu se retrouve à l'affiche d'au moins 3 films par an alors qu'il est accusé de viol depuis 2018? C'est vraiment montrer qu'en fait, c'est pas grave tant que ça fait de l'argent. Chaque remarque sexiste peut être du harcèlement. Nous, on demande juste à ce que la loi soit appliquée et que les victimes soient protégées et que l'impunité cesse.